Voilà, qu'est-ce que t'as ? Bienvenue dans cette nouvelle semaine d'aménagement. Je suis actuellement sur la route pour procéder à un aménagement, un nouvel aménagement sur Polo. Je vous en dis pas plus, ce sera dans la vidéo de la semaine prochaine. Mais vu que je suis sur la route et que je suis un peu en road trip, même si c'est pour 15 jours, eh ben j'ai envie de vous parler des 5 applications que j'utilise en road trip et qui sont à mes yeux indispensables. C'est parti. Les applis dont je vais vous parler, elles sont pas forcément pas connues. Au contraire, c'est des applis pour la plupart qui sont très connues. Mais c'est des applis qui sont, de mon point de vue, très utiles. Je commence par la première, la plus logique. La première appli, c'est Park4Night. C'est une application qui est très utilisée par tous les vanlifers, mais ça peut aussi être utilisé pour les campeurs ou pour les itinérants en vélo ou pour plein d'autres choses. Et en fait, dans cette application, c'est super bien. C'est une application collaborative. En gros, on peut indiquer les endroits où il est bon de stationner son camion, son véhicule. L'application est plutôt bien faite en termes d'ergonomie. Elle pourrait être mieux, je pense, mais en soi c'est bien parce qu'on peut indiquer si c'est un parking, si c'est un lieu nature, si c'est une aire de camping-car, si c'est payant. On peut aussi indiquer la hauteur maximum pour les véhicules. Je crois que la largeur peut être indiquée aussi. On peut commenter pour dire soi-même ce qu'on en pense. Bref, elle est assez complète. Elle permet d'avoir vraiment pas mal d'informations sur tous les spots. La deuxième application, c'est une application qui est intuitivement installée dans tous les téléphones portables, et d'ailleurs ce n'est pas forcément utilisable, on peut utiliser... Bref, c'est pas forcément une application, mais c'est un truc qui est indispensable, et moi je l'utilise sur mon téléphone parce que c'est plus simple. C'est la boussole. Alors ça, c'est très propre à moi et à mon van. Étant donné que j'ai des panneaux solaires qui s'inclinent que d'un côté et que c'est important de les incliner pour capter le plus de soleil possible et donc recharger au maximum les batteries, et ben il faut à chaque fois que je regarde où est le sud pour savoir donc où est le soleil et pour pouvoir m'orienter dans cette direction pour les panneaux solaires. Donc c'est très important, mais l'application Boussole, je la recommande vraiment. Enfin, pour moi, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais sans ça. Après, une petite boussole conviendrait parfaitement. J'ai d'ailleurs l'envie de me coller, enfin, de m'installer une petite boussole sur le tableau de bord, comme ça sera beaucoup plus simple en fait. Mais déjà, avec le téléphone, ça fait vraiment le taf. Troisième application que j'utilise en road trip pour la van life, encore une fois, c'est propre à ce van. Moi, j'ai un van qui n'est pas équipé de toilette. C'est un choix pour l'instant, ça changera peut-être. Donc, c'est vrai que en soi, c'est pas forcément une mauvaise chose, notamment parce qu'il existe une application hyper importante qui s'appelle l'application Flush. Donc, je vous fais pas un dessin, Flush comme en anglais, voilà, ça veut dire chasse d'eau. Et donc c'est une application qui recense toutes les toilettes publiques qui existent, et elle est très bien faite. Elle est très bien faite, non c'est pas vrai, mais elle indique vraiment avec des points très précis où sont les toilettes publiques. Après, on peut pas, il n'y a pas d'informations sur les toilettes, on ne sait pas si c'est, si on sait rien, moi si c'est un distributeur d'eau à l'extérieur, s'il y a des douches, et voilà, on ne sait pas l'état, on peut pas mettre de commentaires. Mais toujours est-il qu'elle a le mérite d'exister, l'application Flush. La quatrième application que j'utilise énormément, alors ça c'est pas forcément une application qui est indispensable, mais c'est une application que j'aime beaucoup, c'est une application qui s'appelle Mapster. Donc sur Mapster, en fait, tu peux recenser tous les endroits que tu veux, tu peux les recenser à l'avance, tu peux les recenser en étant sur l'endroit. Et donc c'est super parce que tu peux te faire une sorte de carte interactive des endroits où tu as été, et tu peux mettre des tags ou donc, qui correspondent à des couleurs, ou alors des petits pictogrammes, ce qui permet vraiment de voir très très vite à quoi correspond chaque endroit. Donc moi par exemple, j'ai un pictogramme et une couleur exprès pour tous les endroits où je dors. Donc ça me permet d'avoir un peu une carte d'Europe, ouais d'Europe puisque j'ai des lieux en Europe, interactive d'où j'ai dormi. Elle est vraiment bien faite, elle est vraiment super, on peut un peu aussi suivre les gens. Donc moi j'ai découvert cette application avec un autre gars qui fait des vidéos sur YouTube, et c'est vrai que je ne la quitte plus depuis. Alors la cinquième application que j'utilise, en soi j'ai pas une application à vous donner, moi j'en utilise deux, mais c'est pour une seule et même chose, c'est les applications météo. C'est vrai que quand on est en road trip en van, et ben il est important de savoir s'il va pleuvoir, s'il va faire très froid, s'il va venter, s'il va neiger. Parce que c'est vrai qu'on fait pas les mêmes choses, on sort pas les mêmes choses quand il pleut, quand il neige ou quand il fait un grand soleil. Donc voilà, moi je trouve ça très très important d'avoir une application météo. Moi je la couple à l'application UAV Forecast qui me permet d'avoir les conditions météorologiques au niveau du vent, de la couverture nuageuse et aussi des zones survolables ou non en drone. C'est les 5 applications principales que j'utilise en road trip et que j'utilise dans la vie de tous les jours avec Polo. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des idées, des remarques, ou comme je disais, à me dire si tu as d'autres applications qui peuvent être bien pour la vie en van. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker cette vidéo si c'est le cas, à la partager pour donner à tout le monde envie de vivre la van life avec nous. Et puis comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner
Je te dis à la semaine prochaine et surtout quittez Miami.